Hello, bonjour, chers auditeurs. Nous sommes toujours sur les cours portant sur la dynamique, la modélisation de la dynamique des systèmes. On a, lors de la session passée, parlé des différents modules qu'on va avoir. On a dit qu'on aura globalement quatre modules. Module zéro de présentation générale qu'on a déjà fait lors de la dernière session. Et cette session va porter, la présente session va porter sur le module 1, qui est la définition, n'est-ce pas, de la dynamique des systèmes et les concepts clés. Donc, les concepts clés, on va essayer de trouver une définition. Il y en aura plusieurs, mais après, à la fin du cours, je vous mettrai même en défi de vous-même de proposer votre propre définition de la dynamique des systèmes. On partira de la définition du père fondateur de la dynamique des systèmes, qui est Jay Forrester. Et on verra d'autres définitions. Ensuite, les autres concepts comme les boucles rétroactives, les variables de stock, les variables de flux, on verra tout ça là à la fin, d'ici la fin de ce module. Ensuite, le module 2 qu'on verra prochainement va porter sur la conceptualisation des modèles de la dynamique des systèmes, n'est-ce pas? On va essayer de mettre en pratique un modèle avec un logiciel qu'on va introduire et part dans le module 3, qui sera le logiciel Vensim, et le dernier module portera sur les simulations des politiques économiques. Donc, le présent module portera sur la définition même de la dynamique des systèmes et d'autres concepts tels que les diagrammes de flux, les diagrammes de stock, n'est-ce pas, etc. Alors, pour ce qui est du contenu du module, comme je disais tout à l'heure, nous allons définir la dynamique des systèmes, les périodes clés de la dynamique des systèmes, hein, les pères fondateurs, Jay Forrester, le premier ouvrage. Ensuite, nous allons avoir à peu près quatre étapes de l'évolution de la dynamique des systèmes jusqu'à l'application, n'est-ce pas, en économie avec les modèles T21, les modèles ACI. Une approche structure de l'analyse de la dynamique des systèmes. Donc, on va voir comment est-ce que on conçoit un système de dynamique, système dynamique, hein, avec une approche structurelle. Le processus de la dynamique des systèmes, les diagrammes d'influence, par exemple, on va avoir les diagrammes de boucle causale ou les diagrammes rétroactifs. On verra des exemples de modèles de population, les concepts clés, les diagrammes de stock, les diagrammes de flux, des représentations mathématiques, n'est-ce pas, comment on calcule les stocks, et les flux. Ah, et puis, on va finir le module là par des questions pratiques que vous aurez à répondre, n'est-ce pas, dans les QCM. Alors, on commence par la définition de la dynamique des systèmes. La première définition vient du fondateur de la dynamique des systèmes, qui est Jay Forrester, qui l'a défini comme l'étude des caractéristiques du retour d'information des systèmes gérés et l'utilisation des modèles pour la conception des formes organisationnelles améliorées et des politiques d'orientation. Donc, dans cette définition, on retrouve des mots-clés comme l'étude des caractéristiques. On voit aussi des mots-clés comme modèle, comme système d'information. On parle des retours aussi. Donc, on verra que d'autres définitions ont été proposées. Nous avons celle de Wolstenholme, hein, en 90, qui définit la dynamique des systèmes comme une méthode rigoureuse pour la description, l'exploration et l'analyse qualitative des systèmes complexes. Donc ici, en termes de processus d'information, des limites organisationnelles, des stratégies qui facilitent la modélisation et l'analyse quantitative par simulation pour la conception de la structure et du comportement du système. Donc nous avons des mots-clés ici aussi comme système complexe, d'accord? Et comme processus d'information, nous avons modélisation et l'analyse quantitative aussi. On parle de simulation aussi. D'accord? Donc, nous pouvons, la définition la plus couramment utilisée est que la dynamique des systèmes est une approche qui permet de comprendre le comportement non linéaire. Donc, on parle de systèmes complexes, on parlera des modèles, des systèmes qui ne sont pas linéaires, hein, des modèles complexes dans les temps, en utilisant des stocks de flux. On va le présenter après, c'est quoi un stock, mais vous avez déjà une idée forcément
de ce qui c'est qu'un stock, le flux, n'est-ce pas? Le flux, c'est la quantité qui passe à travers. Ça peut être des flux entrants ou des flux sortants, n'est-ce pas? Si on prend l'exemple de population, par exemple, qu'on verra dans la suite, le stock de population, nous avons les naissances qui sont les flux entrants et les décès qui sont les flux de sortie de population, n'est-ce pas? Nous avons les boucles aussi des rétroactions, n'est-ce pas? Parce que les naissances, plus de naissances, par exemple, va donner plus de population et plus de population va donner plus de naissances. Donc, nous avons une rétroaction entre ces deux, entre la naissance et le stock de population. Donc, c'est pourquoi on parle des boucles rétroaction interne, les fonctions d'étape et les délais. Donc, nous avons les délais aussi. Hein. C'est vrai que plus de naissances donnent plus de population, mais ce n'est pas les bébés qui font des enfants. Donc, il faut un temps pour que les nouvelles naissances puissent grandir, se marier et, n'est-ce pas, faire do donner d'autres naissances. Donc, on parle des fonctions d'étape et des délais. Donc, la dynamique des systèmes est une approche permettant de comprendre le comportement non linéaire des systèmes dans les temps en utilisant les stocks, les flux, les boucles rétroaction interne, les fonctions d'étape et les délais. Mais je vous mettrai en défi vous-même, n'est-ce pas, à partir de tout ce qu'on va voir dans la suite, de nous proposer votre propre définition de la dynamique des systèmes à la fin de ce module. D'accord. Donc, nous avons ici en image Jay Forrester, qui est le père fondateur de la dynamique des systèmes, hein, dont on vient de voir la définition. Et à côté de cette image-là, nous avons, hein, n'est-ce pas, un diagramme ici des boucles rétroaction et nous avons les résultats des simulations. Nous allons voir que ce sont les publications de Jay Forrester, n'est-ce pas, qui sont vraiment à la base de la dynamique des systèmes, notamment son ouvrage sur les limites de la croissance. On verra par la suite. Alors, quelles sont les périodes clés maintenant pour la dynamique des systèmes? Nous avons le premier ouvrage proposé par Jay Forrester portait sur la dynamique industrielle. On essayait de voir comment l'industriel, il essayait de voir comment les produits s'étaient appliqués pas dans les systèmes macroéconomiques, n'est-ce pas, comme là on va les faire. Mais la dynamique des systèmes est très utilisée, n'est-ce pas, pour voir les taux de pénétration, essayer de modéliser la pénétration d'un nouveau produit dans les marchés, n'est-ce pas, en essayant de voir les stocks de potentiels clients. Les taux d'adoption, n'est-ce pas, les marchés restants et en essayant d'analyser l'évolution des produits jusqu'à avoir la saturation, jusqu'à quand on aura une saturation du marché. Donc, le premier ouvrage que Jay Forrester a publié portait sur la dynamique industrielle en 1961. Nous avons le deuxième ouvrage phare qu'il a proposé en 1973, qui portait sur les limites de la croissance, comme je disais tout à l'heure. Dans cet ouvrage, il essayait de mettre en évidence qu'au XXIe siècle, nous allons assister à un effondrement, n'est-ce pas, des systèmes économiques si nous continuons de maintenir une évolution exponentielle de la population. Vous savez que à un certain moment, dans les années 70, dans les pays industrialisés, nous avons eu des booms démographiques, comme c'est le cas actuellement dans les pays en voie de développement. Nous observons des booms démographiques avec beaucoup de naissances, n'est-ce pas? Donc, on a une croissance exponentielle de la population, mais les ressources étant limitées, avec une évolution linéaire de la production, lui, il montrait que le système économique, avec différentes simulations, va s'effondrer dans le XXIe siècle. Avec cet ouvrage phare qu'il a appelé La limite de la croissance. Nous avons, dans les années 80 à 90, la dynamique des systèmes est beaucoup utilisée dans les systèmes privés, dans les secteurs privés, comme je disais tout à l'heure, pour voir les taux de pénétration des marchés, pour voir les simulations, voir quand est-ce qu'un marché va saturer, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, les stocks de produits au niveau des entreprises, les flux, les gestions des flux, etc. Donc, c'est utilisé beaucoup dans les systèmes, n'est-ce pas, nous avons beaucoup d'ouvrages de référence dans les secteurs privés portant sur la dynamique des systèmes. Nous avons, dans les années, à la fin des années 90, dans les années 90, au milieu des années 90, la question du développement
un macroéconomique qui a été introduit dans la dynamique des systèmes avec Khalid Saed et le premier modèle portant sur les T21. T21, 21 pour dire 21e siècle, et T, c'est Trésor, CI, les modèles à CI macroéconomique pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce que le système, un système macroéconomique d'ensemble qui intègre toutes les composantes, n'est-ce pas, de l'économie. En essayant de mettre un modèle où on va avoir les populations, les systèmes, la macroéconomie, n'est-ce pas, l'environnement, en intégrant tout cela dans un seul modèle. Et ce type de modèle est beaucoup utilisé dans beaucoup de pays encore en développé, même dans les pays en voie de développement, pour essayer de faire des simulations des politiques économiques. À la fin de ce module-là, vous allez voir des exemples avec un cas un pays fictif. Mais je vais vous donner aussi, peut-être dans les discussions, des exemples de modèles utilisés dans plusieurs pays. Nous avons des cas de modèles T21 utilisés au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali ou dans d'autres pays qui sont utilisés pour faire des simulations des politiques économiques. Il y a même un modèle que les Américains ont utilisé, n'est-ce pas, pour voir en Afghanistan, pouvoir faire des simulations pour voir les potentiels dégâts. Hein, par les départements d'État d'un retrait de l'armée américaine de l'Afghanistan et essayer de faire des simulations sur les pertes, les gains, etc. Futur. Alors, quelle est l'approche structurelle de l'analyse de la dynamique des systèmes? Comment est-ce qu'on fait une modélisation avec la dynamique des systèmes? La première étape, c'est n'est-ce pas, l'identification du problème. Hein? On va voir pourquoi, à quoi on s'intéresse et pourquoi on s'intéresse à cela. Donc, il faut bien identifier le problème qu'on veut modéliser. Ça, c'est la première étape, n'est-ce pas, qu'on a ici, tout en haut. La seconde étape consiste à essayer de comprendre le problème par un système et en décrivant ces systèmes-là par les diagrammes d'influence. On va voir, c'est pas un diagramme d'influence tout à l'heure. Nous allons voir des graphiques de flux, les graphiques de stock, quelles seront les variables de flux, quelles sont les variables de stock, quelles sont les interactions entre les différentes variables. Ensuite, il faudra, après avoir identifié ces différentes variables et les diagrammes d'influence, il faut faire une analyse qualitative. Et l'analyse qualitative permettra de voir les relations, n'est-ce pas, hein, avec l'avis des experts sur les différentes influences. Je donnais, par exemple, si le système sanitaire s'améliore, comment est-ce que cela va impacter sur la population, les stocks de population, et comment cela va impacter sur les taux de décès, comment cela va impacter sur les naissances, etc. Donc, il faut faire des analyses qualitatives comme ça. Et c'est la compréhension de ces analyses qualitatives-là peut même nous permettre de ne pas faire de simulation. Parce que l'étape suivante, c'est de faire des simulations. C'est pourquoi vous avez les traits discontinus ici. La compréhension, l'analyse qualitative, la fin de l'analyse qualitative, il peut ne pas être nécessaire de faire des simulations parce qu'on a bien compris les problèmes et on sait les interrelations qu'on a entre différentes variables. On sait les variables les variables de stock qu'on a et on connaît les comportements de nos problèmes. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire des simulations à l'étape suivante. Mais l'étape, c'est pourquoi vous avez ces traits discontinus. Ça peut ne pas être nécessaire. On peut s'arrêter à l'étape 3 ici. Mais l'étape 4 comportera à faire des simulations, des modélisations, à tester ces modèles et à faire des politiques, de tester des politiques publiques, de voir la sensibilité de ces politiques-là et à pouvoir prendre des décisions, n'est-ce pas, des politiques publiques. Il faudra aussi voir jusqu'à la dernière étape la robustesse de ces politiques. Donc, voilà l'approche structurelle de la dynamique des systèmes. Tout part de l'identification du problème. Pourquoi, hein, n'est-ce pas? Et à quoi on s'intéresse et pourquoi on s'intéresse à ces problèmes. OK? Ensuite, il faudra faire les diagrammes. On va voir tout à l'heure comment on élabore les diagrammes d'influence. Et faire une analyse qualitative de ces diagrammes d'influence avant de faire passer aux étapes de modélisation et de simulation. D'accord? Donc, voilà les différentes étapes encore et quels sont les différents résultats associés à chaque étape. Donc, la définition du problème, comme on disait tout à l'heure, il faut d'abord définir les problèmes auxquels on s'intéresse, présenter à l'étape les diagrammes des systèmes, les diagrammes des systèmes, diagrammes d'influence. Hein,
de ce problème. Et cela permet de comprendre les problèmes et de comprendre les idées qu'on a. Donc, l'étape de simulation et de modélisation, ici, on a enlevé l'étape 3 qui est l'analyse qualitative, mais l'étape de modélisation et de simulation permet de vérifier les idées qu'on a ici. N'est-ce pas? Est-ce que ces idées-là sont vraies ou pas? Et suite les politiques, l'élaboration des politiques publiques là permet de faire la vérification des états, mais ça permet aussi de vérifier la robustesse, n'est-ce pas, la solidité de ces politiques publiques là. Donc voilà, sur un schéma assez simple, n'est-ce pas, les processus de la dynamique du système et les diagrammes d'influence qu'on va avoir à la suite, qui seront associés à cette modélisation. Alors, les principaux éléments de du diagramme de dynamique du système, tout à l'heure, on a dit qu'il faut comprendre les problèmes et les représenter sous forme de diagramme. Donc, on verra quels sont les éléments qui rentrent dans la conception de ces diagrammes-là. N'est-ce pas? Il faudra faire des commentaires. On va faire des commentaires sur les variables. Est-ce que ce sont des variables de flux? Est-ce que ce sont des variables de stock? Etc. Quels sont, n'est-ce pas, les niveaux des paramètres qu'on a fixés pour ces variables-là. Et ensuite, il faut faire l'accumulation, il faut faire identifier les variables d'accumulation, les variables de stock et les variables de flux, n'est-ce pas? Et les délais qu'on a pour les temps de réaction, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, je prends l'exemple de modélisation sur la population. Les délais de réaction sont très intéressants, sont très importants pour un modèle. Dans un modèle de population, par exemple, est-ce que les nouvelles naissances, combien de temps, quel est le temps moyen de mariage pour que les nouvelles naissances puissent se marier et donner naissance à d'autres? Donc, on a les délais comme ça. Et puis, pour que la population, quelle est, par exemple, l'espérance de vie de la population pour que les flux qu'on a, n'est-ce pas, en stock là, les stocks qu'on a puissent se transformer en flux de sortie pour les décès. Donc, la prise en compte du délai est très importante. Vous savez que pour un pays du Nord, par exemple, les délais, l'espérance de vie, n'est-ce pas, est beaucoup plus élevée pour les pays au sud du Sahara. D'accord? Donc, les diagrammes d'influence, on va voir tout à l'heure c'est quoi un diagramme d'influence, n'est-ce pas? On a dit que quand tu comprends les problèmes, il faut les traduire en un diagramme d'influence. C'est quoi un diagramme d'influence? Le diagramme d'influence est parfois appelé diagramme de boucle causale, n'est-ce pas? On va voir quelles sont les causes et les réactions entre les différentes variables. C'est ça qu'on va traduire entre les différentes variables de notre modèle. C'est ça qu'on va traduire en diagramme. N'est-ce pas? Ces diagrammes sont considérés comme des diagrammes d'influence dessinés à un niveau très large, ce qu'on appelle les diagrammes de boucle causale. Et ne montrent pas les détails fins qui peuvent être inclus dans un diagramme d'influence. Donc, les diagrammes d'influence et les diagrammes de boucle causale sont presque identiques, mais les diagrammes d'influence donnent des détails beaucoup plus fins. Il y a peu ou pas de différence entre les diagrammes de boucle causale et les diagrammes d'influence. Les deux termes peuvent dire la même chose. Mais retenez que les diagrammes d'influence sont beaucoup plus détaillés que les diagrammes de boucle causale. Alors, le processus de la dynamique des systèmes et les diagrammes d'influence, nous sommes à l'étape d'élaboration des diagrammes d'influence. Au diagramme de boucle causale, je disais tout à l'heure que les deux termes veulent dire la même chose, seulement que les diagrammes d'influence sont beaucoup plus détaillés que les diagrammes de boucle causale. D'accord? Il faut, dans les processus, un problème ou un système, par exemple, un écosystème ou un système politique ou un système mécanique peut être représenté sous forme de diagramme de boucle causale. D'accord? On verra tout à l'heure des exemples de diagrammes de boucle causale. C'est une carte simple d'un système avec tous ses composantes et leurs interréactions. Elle capture les interactions par conséquent les boucles de rétroaction. On va voir tout à l'heure des exemples de diagrammes causaux. Je peux, par exemple, vous amener sur le networking. Ne marche pas, mais on verra tout à l'heure des figures des diagrammes causaux dans les diapos suivants. Elle révèle la structure d'un système en comprenant la structure
d'un système, il devient possible de déterminer le comportement d'un système sur une certaine période de temps. Donc, le diagramme doit inclure les choses, les actions ou sentiments reliés par des liens causaux. On va mettre des flèches pour dire, voilà, telle variable ou telle variable cause telle, ou quels sont, est-ce qu'il y a un sens, une rétroaction avec les polarités plus ou moins. Le plus, c'est pour dire que, hein, n'est-ce pas, par exemple, les naissances, plus de naissances va donner plus de population. Donc, on va mettre le sens, on va mettre une flèche avec un signe plus, n'est-ce pas, entre naissance et population. Et plus de décès donne moins de population. Donc, on va mettre un signe moins de décès vers la population. Et hein, on va avoir des délais. Ça, ce sont des barres verticales, des barres verticales comme ça, qui nous dit qu'il y a un délai de rétroaction. Ceci crée des boucles de rétroaction positives et négatives qui décrivent les cercles de causes et d'effets qui prennent, qui prennent une vie propre. Il y a quatre éléments de base. Nous allons avoir les variables, n'est-ce pas, qui sont dans notre modèle, qui rentrent dans le diagramme de boucle causale. Les liens entre ces variables-là, quels sont les liens entre ces différentes variables, n'est-ce pas? Les signes sur ces liens, on va établir avec des flèches, OK? Et des signes plus ou moins pour dire que comment les variables sont interconnectées. OK? Et puis, on va mettre les boucles, les signes des boucles qui indiquent le type de comportement que le système produira. C'est-à-dire, les signes des boucles, on va avoir tout à l'heure des boucles qu'on va appeler des boucles rétroactives renforçant et des boucles rétroactives balançant. Par exemple, je disais tout à l'heure que plus de naissances donnent plus de populations. D'accord? Et plus de populations va nous donner, permettre d'avoir plus de naissances encore. Donc, on a un boucle. Les naissances agissent positivement sur la population et la population agit positivement sur les naissances. On a un boucle rétroactif positif, hein, n'est-ce pas? Mais avec les décès, on a plus de populations, donne plus de décès. D'accord? Donc, le signe est plus là-bas. Et plus de décès donne moins de populations. Donc, on a un boucle rétroaction négative. Voilà, c'est ce qui est schématisé ici. N'est-ce pas? On a les taux de natalité. Plus de naissances, n'est-ce pas, donne plus de population. Donc, on a un boucle rétro. On a ainsi, cela est matérialisé par entre la naissance et la population. On met une flèche comme ça avec un signe plus. Hein? Et plus de population au retour donne plus de naissances. On met encore une autre flèche avec un signe plus. Comme nous avons du plus vers plus et du plus vers plus encore, donc nous allons dire que hein, les boucles, on a un boucle rétroactive renforçant. Donc on va mettre un R ici avec le sens de rétroaction comme ça. Donc plus de population va donner plus de naissances encore. Mais entre la population et les décès, nous avons, n'est-ce pas, plus de population donne plus de décès. Donc le sens de la flèche est comme ça avec, n'est-ce pas, le signe plus. Mais plus de décès donne moins de population. Donc, on a le signe moins ici. Et comme on a plus de population, plus de décès, mais plus de décès, moins de population, on a un boucle rétroactive balançant. Donc, on met B pour dire balançant et R pour dire renforçant quand on a un boucle rétroactive. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de rétroactive, on n'a pas à avoir les flèches dans les deux sens. Comme ici, par exemple, n'est-ce pas? Ça, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie, n'est-ce pas, va jouer sur les décès. Hein? Va jouer sur les décès. Mais nous n'avons pas de signes contraires. Comme les fractions de naissance aussi. Les fractions de naissance, n'est-ce pas, vont. Les fractions de taux de naissance, de natalité. Hein? Les taux de natalité, souvent qui est mesuré par l'indice synthétique de fécondité. N'est-ce pas, va nous donner, hein, n'est-ce pas, plus de naissances. Plus le taux de natalité est élevé, plus on va avoir des naissances dans la population. Vous voyez? Parce que les pays n'ont pas forcément les mêmes niveaux de natalité. Donc, nous avons une relation positive entre le taux de natalité et les naissances. Donc, vous voyez, ici, nous avons les liens de causalité. Avec la flèche pour le signe plus pour dire que plus de naissances va donner plus de population.
et plus de population va donner plus de naissances au retour. Donc, on met une boucle rétroactive renforçant. Donc, ici, on met un signe plus à l'intérieur ou R à l'intérieur pour dire que notre boucle, hein, est positive. On a une boucle rétroactive positive. Et on met les signes B à l'intérieur ou les signes moins pour dire qu'on a une boucle rétroactive balançant. Parce que plus de décès, malheureusement, va donner moins de population. Alors que plus de population va donner plus de décès. Donc, nous n'avons pas les mêmes sens, les mêmes signes dans les deux sens. Donc, nous voulons voir les conséquences de tout cela sur l'évolution de nos variables. Parce que quand on a une boucle rétro, c'est ça qui est l'intérêt de la dynamique des systèmes. Nous avons une rétroactivité. On a la naissance ici qui donne plus de population. Et plus de population dans notre modèle au retour va donner plus de naissance. Donc, on a une rétroactivité. Et on a les signes de rétroactivité qui va avoir des conséquences sur l'évolution de notre variable. Cela va faire on va avoir des évolutions exponentielles ou des évolutions sinusoïdales ou des évolutions linéaires, selon le type de rétroactivité qu'on va avoir entre nos différentes variables. Alors, ça, c'est un exemple des diagrammes causal. Pour des diagrammes de rétroactivité, des diagrammes d'influence. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec un exemple de modèle sur la population, n'est-ce pas? Les naissances et les décès entraînent une variation de population. Donc, nous avons identifié les variables naissance, OK, et les variables décès, qui vont jouer sur les stocks de population. Plus de naissances va donner plus de population. Donc, nous avons un sens positif pour la flèche entre naissance et population. Nous utilisons ces flèches pour représenter ces liens de causalité. N'est-ce pas? Une augmentation des naissances entraîne une augmentation de la population. On voit une flèche en bleu ici là, avec les signes positifs. Ce qui signifie que les deux variables évoluent dans la même direction. Hein? Le plus mène au plus. Ou moins mène au moins. On a moins de population, va donner moins de naissances, va donner moins de population. D'accord? Une diminution des naissances entraîne une baisse de la population. D'accord? Ou l'augmentation des naissances entraîne l'augmentation de la population. Donc, les deux vont dans les mêmes sens. Cette relation a une polarité positive. Donc, au niveau de la polarité ici, on met un signe plus. Nous indiquons qu'une relation causale a une polarité positive en plaçant un signe plus à côté de la flèche. Hein? Quand on va faire notre modèle, pour notre modèle de diagramme d'influence, hein? Toute polarité positive là, on va mettre un signe plus. Quand on a une relation causale positive. Alors, une augmentation des décès entraîne une diminution de la population. Donc, plus de décès va entraîner moins de population. N'est-ce pas? OK. Ou moins de population va entraîner moins de décès. Donc, nous avons hein, les signes négatifs. Une diminution de décès entraîne une augmentation, une diminution de la population. Une diminution de décès entraîne une augmentation de la population. Les variables évoluent dans les directions opposées. Donc, nous avons plus de décès, moins de population. Le signe moins. OK. Ou encore moins, hein, n'est-ce pas? Donc, le moins, le plus mène au moins. Ou encore le moins mène au plus. N'est-ce pas? Cette relation, hein, a une polarité négative. Donc, nous représentons cela en étiquetant la flèche avec un signe moins. Une augmentation des décès entraîne une diminution de la population. OK? En mettant les signes moins ici. Alors, si on met les deux là ensemble maintenant, ces liens de causal sont vrais indépendamment les uns des autres et ils sont également vrais en même temps. À eux seuls, ils ne nous disent pas ce qui se passe réellement dans la population, n'est-ce pas, entre les naissances et la population, parce qu'il y a d'autres variables qu'il faut prendre en compte, telles que la rétroactivité qu'on va avoir tout à l'heure, et puis on a l'immigration aussi, on peut avoir d'autres phénomènes qui jouent sur la population. Mais nous avons quand même ces deux-là, les naissances et les décès, qui nous permettent de comprendre un peu le niveau de la population.
Le sens d'évolution de la population est déterminé par celle de ces deux relations qui est dominante, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a plus de naissances ou plus de décès? Nous avons les pays où la population baisse parce qu'ils ont plus de décès que de naissances. Les pays où la population augmente, on a plus de naissances que de décès. Lorsque les naissances sont supérieures aux décès, la population augmente, et lorsque les décès sont supérieurs aux naissances, la population diminue. N'est-ce pas? On a la croissance de la population en fonction des naissances et des décès. Les naissances jouent positivement sur la population, mais les décès jouent négativement sur la population. Alors, nous pouvons introduire une certaine rétroaction dans les modèles, comme ça que je parlais, j'expliquais tout à l'heure. Si une augmentation des naissances entraîne une augmentation de la population, une augmentation de la population aussi au retour va entraîner une augmentation des naissances. Donc, on a une rétroaction, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on voyait les naissances, hein, n'est-ce pas, qui jouent positivement sur la population. Mais plus de population va entraîner plus de naissances aussi, n'est-ce pas? Donc, on va avoir une rétroaction et qui est positive. D'accord? Donc, puisque plus de gens font plus de bébés, si le taux de natalité reste constant, c'est pourquoi nous disons que toute chose égale par ailleurs, il faut maintenir les autres facteurs constants ailleurs. OK? Nous ne considérons que les deux variables que nous réunions par, lorsque nous pensons à la polarité. Par conséquent, nous établissons un lien de causalité positive entre la population et les naissances. Donc, cela se traduit ici, n'est-ce pas, par, donc, on a plus de population va entraîner plus de naissances. Mais comme je disais, hein, n'est-ce pas, ce n'est pas toutes les fractions de la population qui vont donner naissance. Il faut un délai. Les nouvelles naissances ne donnent pas automatiquement naissance. Il faut un temps, n'est-ce pas, pour que la population, les nouvelles naissances grandissent, se marient et font plus de naissances. Donc, c'est ce délai-là qui est schématisé ici par les deux flèches, n'est-ce pas, verticales ici qu'on a. OK? Donc, comme on a une polarité, une rétroactivité positive, hein, dans les deux sens, on met les R pour dire que plus de population va entraîner plus de naissances et plus de naissances va entraîner plus de population. Donc, automatiquement, quand il y a des naissances, automatiquement la population, hein, augmente. Il n'y a pas de délai ici. Donc, on ne mettra pas de flèches dans les deux sens ici. Et notre boucle est renforçante. On met un R ou un signe plus à l'intérieur pour dire qu'on a une boucle rétroactive, hein, renforçante. Alors, pour ce qui est du décès, entre la population et les décès, n'est-ce pas? Plus de population va entraîner plus de décès. Donc, on a le signe plus. Mais il faut un temps. OK? Les populations ne vont pas décéder tout de suite. Hein? Cela dépend de l'espérance de vie. D'accord? Donc, il faut un temps et l'espérance de vie sera très importante. Les systèmes sanitaires dans les pays, etc., qui vont jouer sur l'espérance de vie. OK? Donc, et moins de, plus de décès entraîne automatiquement moins de population. Donc, le signe est moins ici. Et dans ce sens-là, c'est plus. Et on a un délai dans ce sens. Et on parle de boucle rétroactive balançant. Parce qu'on a le plus ici et le moins. OK? Plus de population va entraîner plus de décès avec un temps d'adaptation. Okay? Mais plus de décès va entraîner moins de population. Donc, c'est tout ceci-là qu'on schématise. OK? Qu'on va appeler diagramme d'influence. Et notre diagramme d'influence-là va intégrer d'autres aspects qu'on va voir tout à l'heure par la suite. Parce que la population n'est pas constituée que des naissances et des décès. Il y a aussi des migrations, il y a d'autres variables qu'il faudra intégrer dans notre modèle. Alors, un exemple de modèle qui rencontre d'un pays pauvre aux ressources limitées, hein, avec un modèle de population. Nous avons ici expliqué cette partie du schéma, hein, et plus de naissances va entraîner et plus de population va entraîner plus de naissances, hein, avec un délai d'adaptation, le temps que les gens se marient et fassent des enfants. Nous avons plus de naissances ici qui automatiquement renforcent la population. Donc, nous avons une boucle rétroactive renforçant entre les naissances et la population ici. Par contre, on a une boucle rétroactive balançant entre les décès parce que plus de population
va entraîner plus de décès, mais plus de décès entraîne moins de population. Donc, on a une boucle rétroactive balançante. OK? Mais plus de population, si on prend en compte les ressources disponibles par personne, plus de population va entraîner moins de ressources par personne. Parce que si on est nombreux, il faudra diviser par personne, il faut mettre la population au dénominateur. Donc, plus de population va entraîner moins de ressources par personne. OK? Donc, la relation entre la population et les ressources disponibles par personne est matérialisée par une flèche négative ici. Mais plus de ressources va entraîner une augmentation de l'espérance de vie. N'est-ce pas? Parce que plus de ressources, bah, cela signifie plus de moyens pour se soigner, n'est-ce pas? Plus de moyens pour se nourrir, pour vivre convenablement. Donc, l'espérance de vie va automatiquement, hein, se renforcer. Donc, nous avons, n'est-ce pas, une polarité positive entre les ressources et l'espérance de vie. Mais par contre, l'espérance de vie, hein, n'est-ce pas, a une influence négative sur les décès. Plus les gens vivent longtemps, moins on a des décès, n'est-ce pas? Donc, on a une boucle rétroactive ici, n'est-ce pas, qui est balançant ici entre les ressources, l'espérance de vie et les décès. Par contre, entre les naissances, n'est-ce pas, le nombre de naissances par personne, OK, et les désirs de taille de population, les désirs de taille de famille, n'est-ce pas, et l'expérience de vie, on a, par exemple, plus les gens vont vivre longtemps, moins, n'est-ce pas, les désirs de faire plus d'enfants, hein, diminuent. Donc, on voit ça dans les pays développés, hein, n'est-ce pas, où le taux de natalité est très faible. Nous avons, par contre, dans les pays où les gens vivent longtemps, hein, les gens vont se dire qu'ils ont du temps pour faire des enfants et finalement, ils vont faire avec les occupations, etc., ils vont faire l'emploi, les activités professionnelles, moins en moins d'enfants. Donc, les désirs d'avoir des enfants diminuent en fonction de l'espérance de vie, n'est-ce pas? D'accord? Donc, si les désirs d'enfants augmentent, normalement, le nombre de naissances par personne doit augmenter. Et le nombre de naissances par personne, son augmentation va avoir, hein, n'est-ce pas, une augmentation, hein, des nouvelles naissances. Alors, plus on a des naissances par personne, plus on va avoir des naissances dans la population. Donc, on a ici, pour cette partie de notre schéma, une boucle rétroactive renforçante. Donc, voilà un peu un modèle de population qui met en relation les naissances, hein, la population, les décès, les ressources disponibles par personne, l'espérance de vie, hein, la taille, le nombre de personnes désirées par famille, le nombre de personnes de naissances par personne. Donc, on peut mettre tout ceci là dans un modèle qu'on va appeler le modèle de population avec contrainte de ressources. Donc, c'est un peu ce modèle qui a été utilisé par Forestier, un modèle un peu plus différent, mais un peu différent, mais sur les mêmes idées pour montrer que si les ressources sont limitées, avec une évolution, une croissance exponentielle de la population, on va assister à un effondrement des États au niveau du 21e siècle. Bon, bien évidemment, pour son modèle aussi, parce que dans les pays développés, aux États-Unis notamment, qui était son modèle de référence, hein, n'est-ce pas, on n'a pas assisté continuellement à une évolution croissante de la population. Donc, ce qui veut dire que son modèle n'a pas donné une prédiction totalement exacte, parce qu'à un moment, hein, n'est-ce pas, avec l'augmentation de la richesse dans les pays, etc., on a assisté à la boom des naissances là a diminué fortement. On a de moins en moins de naissances dans ces pays. Donc, on va faire un exemple de modèle de population, hein, qu'on vient de voir tout à l'heure là, un diagramme d'influence pour le modèle de population. Hein. Pour faire un modèle, le contexte est la clé. Il faut comprendre le contexte qu'on a dans un pays du Nord n'est pas la même chose qu'on retrouve dans un pays africain. Dans les pays africains, sont caractérisés par, tout à l'heure, comme je disais, une espérance de vie assez faible,
un taux de natalité beaucoup plus élevé, hein, n'est-ce pas? Des ressources très limitées. Alors que dans les pays développés, nous avons hein, des niveaux de natalité beaucoup plus faibles, une espérance de vie beaucoup plus élevée. Donc, il faut comprendre le contexte hein, qui est la clé pour le modèle. Hein. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de modèle, là, comme on l'a défini, c'est une simplification excessive de la réalité. Donc, il s'agit ici d'un modèle simplifié d'une population hypothétique. Il peut représenter certains pays plus que d'autres. Voilà. Selon les paramètres qu'on va intégrer dans notre modèle, si on suppose que l'espérance de vie est très élevée, le modèle va représenter un pays du Nord. Si on suppose que l'espérance de vie n'est pas très élevée, le modèle va représenter un pays du Sud. Si on suppose que les natalités sont très élevées, le modèle va représenter plus un pays du Sud. Mais si on suppose que les natalités sont très faibles, le modèle peut représenter un pays du Nord. Les problèmes particuliers et le contexte des modèles doivent toujours être clairs. OK? Le contexte doit être clairement identifié. Les modèles sont utilisés pour définir des problèmes et répondre à des questions. Ce sont des théories explicites expliquant pourquoi hein, une chose se comporte comme telle. Alors, quels sont les symboles qu'on utilise, n'est-ce pas, dans les diagrammes d'influence? On a déjà défini la polarité. Si une variable X agit positivement sur une variable Y, on va mettre un signe plus avec une flèche dans notre diagramme d'influence. OK? Donc, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de X va entraîner une augmentation de Y. Et une augmentation de Y aussi va entraîner une diminution de Y va entraîner une diminution de X. Donc, ici, on a une polarité positive entre X et Y. D'accord? Cela signifie qu'une variation de Y en fonction de X est positive. OK? Si X varie, la variation induite à Y là est positive. Une variation de Y induite par une augmentation de X serait positive. C'est pourquoi ceci est matérialisé par cette formule-là. D'accord? OK. Donc, l'accumulation de Y dans le temps, si on veut avoir quelles seraient les valeurs, si Y ne dépend, toutes choses égales par ailleurs, hein, si Y ne dépend que de X, OK, Y, le niveau de Y dans un temps T donné, il suffit de prendre le niveau de X et de Y qu'on avait à l'initial, ensuite ajouter l'évolution dans les temps, n'est-ce pas, du niveau de X qu'on a ici, son niveau de variation qu'on a dans les temps, qu'on va ajouter pour avoir le niveau final de Y, n'est-ce pas? Donc, on peut par exemple prendre l'exemple sur les naissances et les populations. Si on suppose qu'il n'y a pas de décès, si on veut avoir le stock de population finale, il faut prendre le stock de population initiale et ajouter, sommer, n'est-ce pas, l'évolution des naissances dans le temps. Donc, ceci va nous donner le niveau de population. Et comme on a dit, hein, n'est-ce pas, une augmentation des naissances va entraîner une augmentation de la population. Donc, on a une flèche positive. OK? Ou encore, par exemple, pour les modèles des entreprises, la qualité du produit va entraîner une augmentation des ventes ou encore plus d'efforts va entraîner plus de résultats. D'accord? Donc, nous avons ces symboles-là hein, qui traduisent, n'est-ce pas, les relations entre X et Y. Si on a une variation négative, on va mettre des signes moins pour dire que hein, une augmentation de X va entraîner une diminution de Y. D'accord? Ou on va mettre un signe moins ici dans l'évolution de Y, par exemple les décès, pour avoir, si on suppose qu'il n'y a pas de naissance, pour avoir la population finale, il faut prendre la population initiale et enlever la somme des décès au cours du temps. Cela nous permet d'avoir le stock de population finale à un temps T. D'accord? Donc, toujours pour notre modèle de population, des diagrammes d'influence, nous avons fait un autre exemple pour mieux comprendre des choses sur
n'est-ce pas, l'introduction d'un nouveau produit, hein, qui peut se présenter comme ceci. On a les potentiels adopteurs du produit, on a les taux d'adoption, okay, et puis on a ceux qui ont adopté réellement le produit. Okay. Plus on a des potentiels adopteurs, plus le taux d'adoption, hein, du produit, plus le potentiel d'adoption est élevé, plus le taux d'adoption, hein, du produit sera élevé. Donc, on a un signe positif, hein, entre les taux d'adoption, hein, et le potentiel adopteur de ce produit. Par contre, si le taux d'adoption augmente, hein, les stocks de potentiel d'adoption diminuent. Donc, on a un signe négatif entre les taux d'adoption, l'influence du taux d'adoption sur le potentiel adopteur du produit qui est négatif ici. Donc, on a plus ici et moins là, on met une boucle rétroactive, hein, balançant, où on met B à l'intérieur ici, où on peut mettre ainsi moins pour dire que notre boucle, hein, n'est-ce pas, le potentiel d'adopteur agit positivement sur les taux d'adoption et de retour aussi, les taux d'adoption va jouer négativement sur le potentiel adopteur. Donc, on a un signe de rétroaction négative. Par contre, sur le nouveau adoptant du produit, ceux qui ont adopté le produit, hein, plus le taux d'adoption est élevé, plus les nouveaux adoptants, hein, et plus les adoptants sera élevé. Donc, on a un signe positif. Et plus les adoptants seront élevés, plus ils vont informer d'autres personnes qui vont adopter le produit. Donc, plus le taux d'adoption sera élevé. Hein? Donc, on a une boucle rétroactive, hein, renforçant. On met un R pour dire renforçant ici. Et avec la saturation du marché ici, on met un B pour dire balançant. Donc, ça, c'est un diagramme de boucle causale du modèle d'adoption d'un nouveau produit. Le diagramme de boucle causale aide à visualiser la structure et le comportement d'un système et à analyser le système de manière qualitative. Donc, on va avoir les différentes relations, essayer de décrire ces relations-là de manière qualitative déjà avant de faire des simulations, des analyses quantitatives. Pour une analyse quantitative plus détaillée, un diagramme de boucle causale est transformé en un diagramme de stock et de flux. D'accord? Et tout à l'heure, on a représenté nos variables. Il faudra identifier quelles sont les variables de stock ici. Quelles sont les variables de flux? Okay? Et les symboles pour représenter les stocks et les symboles pour représenter les flux ne seront pas les mêmes. Un modèle de stock et de flux permet d'étudier et d'analyser les systèmes de manière quantitative. Ces modèles sont généralement construits et simulés à l'aide de logiciels informatiques. Donc, je disais tout à l'heure que dans le chapitre 3, on va avoir le logiciel VinCim pour concevoir notre premier modèle sur l'exemple de population, de simulation de la taille de la population d'un pays, hein, quelconque. Et faire des projections futures sur la taille de ces pays-là. Ensuite, on verra après, hein, dans les derniers chapitres, des simulations de politique macroéconomique. Donc, pour vraiment traduire notre diagramme d'influence en diagramme de stock et de flux et faire des analyses quantitatives, on a besoin d'un logiciel informatique. Un stock, donc le logiciel qu'on va utiliser dans le cadre de ce module-là, de ce cours-là, c'est le logiciel VinCim. Hein, il y a d'autres logiciels gratuits, mais VinCim, c'est que nous allons avoir une version étudiante qui est gratuite, hein, et qui nous permet de faire des simulations, hein, n'est-ce pas, qu'on va avoir dans le cadre de ce cours. Hein. Un stock est le terme désignant toute quantité qui s'accumule ou s'épuise au fil du temps. Donc, le stock, c'est la somme des quantités, hein, qui s'accumulent s'épuise au fil du temps. Et le flux désigne toute variation de stock. D'accord? Le flux, comme on a défini en physique, là, c'est la quantité qui passe à travers. Donc, c'est toute variation. Ça peut être une variation positive comme une variation négative. Le flux de naissance, ça, c'est une variation. Ça va avoir un impact positif sur le stock de population. Okay? Donc, les nouvelles naissances, là, c'est un flux. Les décès aussi, c'est un flux qui va avoir un impact négatif sur le stock de population. D'accord? Donc, un flux est le taux de variation des stocks. Donc, le flux n'est rien d'autre que le taux de variation des stocks. Et pour représenter le flux, on mettra ici, vous voyez en flow, okay? On mettra la variable ici et la variable stock sera représentée dans un carré, comme ça.
n'est-ce pas? Pour dire, par exemple, ici, on va avoir les naissances, les taux de natalité, et là, on va avoir la population, qui est les naissances ou les décès de l'autre côté qui seront notre variable de flux et la population qui sera notre variable de stock. D'accord? Dans notre exemple qu'on a ici, pour les potentiels adoptants, il y a deux stocks, les adoptants potentiels et les adoptants. Donc, nous avons deux variables de stock dans les modèles que l'on vient de voir ici. Hein? Les stocks ici, on a les adoptants potentiels, ça c'est un stock. OK? Et les nouveaux adoptants aussi, ça c'est un stock. Hein? Par contre, les taux d'adoption, ce seront les variables de flux. Les variables de flux, ce sera les nouveaux adoptants. Pour chaque nouvel adoptant, le stock d'adoptants potentiels diminue. Et le stock d'adoptants augmente pour chaque nouvel adoptant. Donc ici, schématiquement, on peut représenter ça ici. On a les diagrammes de flux, le diagramme de stock qui sera représenté dans un carré. OK? La flèche va indiquer le sens de notre flux. OK? Par exemple, les nouveaux adoptants. OK? Qui est notre variable de flux. Et le variable de stock, ce sera les adoptants potentiels et les adoptants. Les adoptants, le total des adoptants et les adoptants potentiels. Donc, on a une variable de stock ici. Et ça, c'est les variables de flux entrant et les flux de sortie seront matérialisés comme ça. OK? Ça, c'est le diagramme de flux. Donc, on va mettre les noms ici sur nos variables de flux. OK? On mettra les noms de nos variables de flux ici et on mettra les noms de notre variable de stock ici. OK? Et on mettra le sens des flèches là avec des signes positifs pour dire qu'on a une relation positive, une relation négative. D'accord? Donc, ça, ce sont les notations qu'on va avoir pour notre diagramme de flux et de stock. Les stocks seront mis dans les carrés. Je résume un peu. OK? Les stocks seront mis dans les carrés comme ça. Les flux seront représentés par des flèches avec des croix comme ça. OK? Ici, comme ici, comme ici. Ça, c'est les flux d'entrée. Ça, c'est les flux de sortie. Hein? N'est-ce pas? Les flux de sortie. D'accord? Et on va mettre les noms des variables de flux. OK? Il existe quatre représentations équivalentes de la structure des stocks et des flux. Chaque représentation contient exactement les mêmes informations. Okay. Exemple des stocks et des flux avec leur unité de mesure. Le choix de l'unité de temps pour le flux. Par exemple, pour notre variable de flux là, okay, est-ce que ça sera par jour, par semaine? Il faut bien préciser ça, l'unité de mesure. N'est-ce pas, pour les variables de flux, hein, les nouveaux adoptants par jour, par semaine, par mois, par an, etc. Mais ce choix est arbitraire, ça dépend du modélisateur. OK? Mais il doit être cohérent au sein des mêmes modèles. Donc, dans un modèle, tu ne peux pas dire que, hein, n'est-ce pas, les nouveaux adoptants, je les prends par semaine, d'accord? Et une influence de ces nouveaux adoptants-là, OK, sur le stock d'adoptants, tu vas prendre ça par année. Donc, il faudra faire la somme annuelle. Alors, on a représenté ici, ça c'est un schéma simple pour représenter toujours les variables de flux et de stock. Hein? Les cas de l'hydraulique, des quantités d'eau. Donc, on a ici un robinet qu'on ouvre pour verser de l'eau dans une bassine. Et on a de l'eau qui s'échappe ici. Donc, ici, les stocks d'eau qu'on a ici, ça, c'est notre variable de stock. OK? C'est comme la population. On a les stocks de population. Ici, l'eau qui rentre, ça, c'est les flux d'entrée. OK? Ici, l'eau qui sort, ce sont les flux de sortie. Donc, ici, les flux d'entrée, dans notre exemple sur les populations, n'est-ce pas, c'était les naissances.
et les flux de sortie. Pour notre exemple de population, c'était les décès. D'accord? Donc, les stocks sont matérialisés dans nos schémas de diagrammes de flux et de stocks par des carrés, et les flux seront matérialisés par des croix. D'accord? Et le stock final, c'est le stock initial plus la variation, la somme de flux d'entrée moins les flux de sortie dans le temps. OK? Ou encore, on peut dire que la variation de flux là, hein, le flux n'est rien d'autre que la variation des stocks, la variation nette des stocks. Donc, si on dérive les stocks dans le temps, on retrouve la variation de flux, les flux d'entrée moins les flux de sortie. Donc, voilà schématiquement comment on représente, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas, avec soit des équations mathématiques ou par des schémas simples, n'est-ce pas, les diagrammes de flux et des stocks, les variables de flux et des stocks. Donc, tout à l'heure, comme je disais là, hein, il y a quatre représentations équivalentes et chaque représentation contient exactement les mêmes informations. Mais il est important, le choix de l'unité de mesure pour le flux est arbitraire, mais ça doit être cohérent avec un autre modèle. D'accord? Donc, si on prend notre modèle de population, par exemple, OK? D'accord? Les naissances, ce sont les flux. OK? Les nouvelles naissances par an. OK? Les taux de naissance par an. Ça, ce sont les stocks de population. Donc, on va représenter les taux de naissance par an. Ça, ce sera le flux d'entrée. Le flux de sortie, ce sera le nombre de décès par an. Ça, ce sera le flux de sortie. Ce n'est pas là pour les stocks d'employés. Hein. Si on fait un modèle pour une entreprise donnée, le nouveau recrutement par an, donc le total ici d'employés, le nouveau recrutement par an, ça, ce sera le flux d'entrée. Le flux de sortie, il y a les retraités. OK? OK, donc il faut prendre en compte les retraités. OK, ou encore ceux qui vont sortir de l'entreprise pour aller dans d'autres entreprises, dans d'autres structures. C'est valable pour les dettes d'un pays. Les stocks de dettes, OK, c'est les. On a les stocks de dettes ici, on a les nouvelles dettes par an. Et puis, on a les remboursements par an. OK? Donc, les variables de stock sont toujours représentées dans les carrés et les variables de flux sont représentées ici. Alors, on a parlé des boucles rétroactives renforçantes. Je vous donne l'exemple des œufs et des poulets. OK? Plus d'œufs va donner plus de poulets. Donc, on a une relation positive. Mais le plus de poulets, OK, au retour, va donner plus de poules, donc plus d'œufs. OK? Donc, on a une boucle rétroactive renforçante. Donc, dans notre diagramme d'influence ici, pour entre les œufs et les poules, on a une boucle rétroactive, n'est-ce pas, qui est renforçante. Donc, un boucle rétroactive renforçant dans le temps va permettre d'avoir un diagramme, hein, une évolution des œufs et du nombre de. Si on, toutes choses égales par ailleurs, hein, des œufs ici et le nombre de poulets en évolution exponentielle. Mais par contre, si on met la circulation routière où les poulets devraient, les poules devraient traverser les routes, OK? Plus de poules, OK, vont donner plus de poules qui vont traverser les routes. OK, donc on a un signe positif. Mais plus de poules traversent, qui traversent les routes, vont donner moins de poules. Donc, parce qu'avec les accidents, certains vont mourir. Donc, on va avoir une boucle rétroactive balançant et qui va se traduire par une décroissance ici entre les routes, les poules qui traversent les routes et les stocks de poules. Donc, si on met les deux ensemble, les œufs et les poules, on a une boucle rétroactive
positive, renforçant. Et ici, on a une boucle rétroactive avec le nombre qui traverse la route là, une boucle rétroactive balançant. Donc, voilà la fin de ce module. On va avoir le module suivant la prochaine fois, Inch'Allah, qui portera sur la structure et le comportement des systèmes dynamiques. Donc, j'espère qu'à la fin de ces modules, vous serez capable, en espoir, de me donner une définition de la dynamique des systèmes. Hein, nous avons retenu la définition, nous avons mis la définition de Dieu forestier et d'autres définitions, n'est-ce pas, qui est la modélisation des systèmes complexes et non linéaires, hein, n'est-ce pas, par des boucles rétroactives. Donc, vous savez, c'est quoi une boucle rétroactive, n'est-ce pas, mais positive? C'est quoi une boucle rétroactive négative? C'est quoi un diagramme de flux? C'est quoi un diagramme de stock? Donc, toutes ces notions-là vont nous permettre de voir la structure et le comportement des systèmes dynamiques dans les chapitres suivants qu'on verra la prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine pour le module suivant.